Eh hey, coucou la VOD et bienvenue dans ce nouveau stream de PoE. Bon, on va continuer. Acte 5. En avant les zombies. Les mandales par milliers. L'acte 5 en une fois. Tout droit. Go. Alors, en premier, on va péter machin. Bonjour. Donc, du zombie SRS, toujours la même. Plus exactement des momies corbeaux. Parce que voilà. J'ai pas touché à ce setup depuis incursion. Du coup je suis parti sur un build perso chelou à base de je veux arriver à faire les deux. Très facile, enfin très facile. Relativement simple de faire un, deux monomaniaques. Beaucoup plus compliqué de jouer sur les deux tableaux en même temps. Donc normalement on devrait arriver à une version zombie correcte. Donc un zombie monster relativement correct. Voire vraiment relativement pété plus. En baron, avec du SRS d'appoint. Mais du coup, c'est pas les SRS qui vont faire les dégâts, c'est carrément les zombies dans ce que j'ai prévu. Plus zombies, SRS c'est pour le fun. Parce que c'est rigolo les corbeaux qui mangent les genoux quand même. Et au niveau raclage de map, ça permet d'accélérer dramatiquement. Parce que j'avoue que les zombies ça pêchait là-dessus un peu. Premier caractère à entrer, Esh. Ah bah ça y est, ils les font tous dans l'ordre. Ouais, ça c'est plus logique du coup, ils offrent en premier les trois autres. Le problème c'est que Shayula devrait être là. Shayula a déjà spawn. Ça c'est le truc qui me... Ouais. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, ils y vont pas les corbeaux? Non, c'est triste. Oh, il y a une ouverture en haut. Là. Salut. Ah oui, pardon, venez les zombies. C'est en haut que ça se passe. Faut pas hésiter, c'est par là-bas. Y'a Kavas, parce que je... Ah, vas-y, on va y aller. Ah, on va y aller quand même. Salut Bob, la biche. 0 sur 2. Qui est mort? Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Crimson Jewel, c'est pas du tout le bon. Oh, j'y ai cru tellement. J'y ai tellement cru. Saint Horreur, j'y ai cru. C'était à droite. Du coup, il était de l'autre côté. J'espère que je vais avoir assez de marge. Ouh, c'est compliqué ça. Oh oh. Non, ça a pas l'air hein. C'était tout droit en fait, d'accord. Depuis le début? Ok. Thomas. Salut. Salut. Fou. Et bien alors. Ok. Les potes sup, on les récupère toutes. Ça, on s'en fout. Ça, on y va. Bonjour. Donc là, on va à peine commencer à monter la force. Donc on a que 124 de force. Il nous faut 1200. Parce que oui, il nous faut 1200 de force. Tout est là. La clé, c'est ça. Il nous faudra 1200 de force. Pour l'instant, on n'y est pas. Hein. On n'a même pas 200. Supérieur mana flask, quoi? C'est le moment où ils ont décidé que j'aurai des glass blowers et que je silence silence? D'accord. Bah écoute, ça me va, hein. Sauf qu'ils m'ont fait leur masse au début, donc. Oh, ah merde! Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? D'accord, c'était ça. Trop bien la musique de PO. J'avoue que ça, c'est un truc. Elle est trop bien la musique de PO. En fait, bizarrement, elle est plus intrusive que sur des jeux comme Diablo. Un peu plus. Mais du coup, ça passe trop bien. Je sais pas, elle est bien. Elle colle vraiment bien à l'univers. Ok, bon. Ça aide beaucoup pour l'immersion, le reste. Ok, go. En avant. On va abréger comme ça. On va abréger mon flot de pensée de cette façon. Alors, en avant. Salut. Il devrait être par ici à force, là. Ça va les offline online qui se base? Portal scroll. Ah oh. Vraiment? D'accord. Oui oui. Ouais. Il déco reco pour TP en ville. Mais je t'en fous, enfin ouais. À ce point? Ouais ouais. J'en ai zéro.
Oui, mais t'en ramasses quoi. Non. D'accord. Ok, ok, ça va, pardon. Non, non, quand j'en ai zéro, ça y en a pas du tout. Y'en a pas du tout. T'en droppes pas, tu veux dire? Ah, j'en ai pas droppé depuis le début. Filtre. Non, non, même. Deux. Je les affiche avec mon filtre. Ah, j'ai dû en loot 3-4 maxi, c'est tout. D'accord. Quoi? Attends. Quoi? Y'a pas de chemin? Ah merde, y'avait pas de chemin. What the fuck? Oh con. Allez, Lionize Watch. Attends. Attends, j'ai un souci là. Parler à Bestel. Quoi? Retourne à ah non, c'était là. Ok, donc ça c'est l'endroit où on arrivait au tout début, voilà. Ça c'est l'endroit où on arrivait dans la queue 5. Et ça c'est le justicier envoyé pour enquêter sur le bordel. Ok. Et ça, c'est la sortie vers Henriette. La ville. Eh salut. Eh salut. Allez, zombale. Casser des bouches. Je suis au combien 48. Oh mon dieu, je peux équiper Alberaz. Ah, je peux commencer à équiper des trucs. Allez, go. Salut. Go. Oh, Yacht City Square, en avant. Ah purée, par contre, tout début, la première fois qu'on y va, du coup, y a rien à faire là-dedans. Ah, mais le waypoint est là. Le waypoint est là. Ah merde. D'accord, pardon. J'avais oublié la première version d'Oria, tiens. Ok. Toi. Ouais. C'est nul. Quoique. Non, en vrai, t'es peut-être pas si nul que ça. Mais bagarre, ouais, Fragile Bloom. Un combat à quoi? Ça, c'est de la merde. Ça, sur, c'est sur une victimisation, tu vois. Ils m'ont filé quoi? Alors, non, c'est celle-là. C'est ouais. Non, parce que ce que j'ai pris. On l'entend. Ouais, je sais. Alors, voilà un message. Flemme. Yes. Bah non, je sais. Ah, le micro il est réglé pour pas la choper. Ah, oui. Ah oui, elle crie. Ah, oui, elle est très enthousiaste. Ah oui, c'est. Alors, pote, on range. Tac, toi tu ranges aussi. Toi, c'était pas là le. Comment ça, c'était pas là le. C'était pas là les gemmes? Damned, je me sens eu. C'était pas maintenant? J'étais persuadé que c'était maintenant. Ok, donc là on remonte, on traverse par la duel. Ensuite on remonte en haut. Ensuite on va chercher ça là-bas. Tous les notes là-haut. Non, qu'est-ce que je fous? Hop là, donc dans l'idée pour l'instant, Oriat! En avant. J'ai cru que Volundead c'était maintenant. Je suis extrêmement déçu. Ah, je suis extrêmement déçu. En avant! Par contre, vous êtes en train de taper les civils, les gars. Les corbeaux, je sais que vous voyez pas bien, mais quand même. On arrête avec les civils. Pour le coup, les pauvres, ils ont rien fait. Ok! Donc, le square est toujours organisé de la même façon. Impliquant. On va direct tout droit au catacombe. Oh non. C'est pas ça. Avec War Stalker. Bah oui. Bien évidemment, mon gars, stalke moi. Qu'est-ce que tu fous? Je veux que la cape d'incursion, du coup, elle est trop visible par rapport au reste. C'est très chiant. On va la virer. Adieu, cape d'incursion. Elle est beaucoup trop chatoyante comparé au reste de l'aspect corbeau du bordel. Salut. Alors. Merde, c'était là? Ah, j'espère que c'était là. Ça peut ne pas être là. C'est très chiant, ça peut ne pas être là. Oui, il y a plus de cast. J'arrive pas à me faire l'idée qu'il y a plus de cast pour convocation. Très chiant. Je l'ai mis ce clic quoi. Cavas, bonjour.
0 sur 3. D'accord. I move through the stacks, seeking that one perfect moment from my youth. I once oula. Its name lost to me, that perfect struck the chords of my heart. Oula, mais c'est plus long ces machins. Dis donc. Dis donc, ça devient vachement long ces trucs. Ouais, non mais attends. C'est que ça deviendrait extrêmement long. Allez, c'est où? Non, il était de l'autre côté. Il était là-bas. Oh. Il était là-bas. C'est bon, il a pas été chopé par le machin? Ah non, je l'ai eu. Intéressant. Ça, c'est Reading Chamber encore. Ok. Frozal Astet. Ok, on lui fait des trucs comme ça. Cassez-vous, les gars. Ok, on va accélérer la cadence en avant. Hop. Ah, ça me fait péter un câble, ça. Un tour, l'attribute. C'est marrant, ça. Il y a des affixes vraiment stupides. C'est rigolo. T'es en train de run. Et tu passes un TP et tu recliques derrière pour repasser dedans. C'est-à-dire? Tu tapes un chargement et puis tu recliques à l'endroit d'où tu viens et tu te retapes un chargement. Et ben. Bah du coup tu tapes trois chargements au lieu d'un seul. Ah oui! Tu fais un aller, un retour, un aller. C'est... En gros. Suffit. 32! 43! Mon dieu! C'est fou ça! Ah oui, le problème c'est ce que je veux le trouver, c'est maintenant! Ah non, c'est sagouin ça! C'est vilain, vous avez mis un Nico sur le square d'Ariat! Ça c'est méchant! C'est méchant, Nico sur le square! C'est tellement grand le square, sérieux, je vais pas chercher hein! Ah ouais, non, il était de l'autre côté! Il était à gauche! Jamais j'y vais, mon gars, jamais! C'est mort! En avant les zombies, prenez des levels. Du coup. Alors, par là-bas. Boum boum. Aucune chance que j'y aille, les mecs. Aucune. Genre 0, 0, 0. On ouvre la cour des Templiers en avant. Trouvons Innocence. Vilain Innocence. Innocence qui n'est pas si innocent. Ah ah ah. Fou, ça m'a fait du mal. Vous m'avez fait du mal. J'avoue, tout le plot de base c'est que Sin c'est le gentil et Innocence c'est le nazi. Alors, est-ce que ça a changé le layout du coup? Bonjour, je suis en quoi? Peut-être. Qu'une idée de. Je sais pas si c'est vraiment si aléatoire les machins. Parce qu'on voit comment ils sélectionnent les tilesets. Et qu'il y a 45 versions de map de blocs de mémoire. J'en vois 45. Plein d'âge convocation. On va les OP quand même, hein. Oui, oh. Oui, c'était là. c'était là. Ouais, non. Trolling caverne. J'ai déjà apparemment. C'est fou parce que j'en sais rien. Comment tu veux tenir les comptes de ce que t'as? D'autant plus que tu contrôles pas du tout en fait. Ouais, c'est ça. Le souci, c'est que tu contrôles pas en fait. Ah, ça y est. On se referme. Tiens, pour une fois, c'est pas moi qui les proc. Intéressant. Parfait. Allez. Oh mon dieu, les drops. Ah oui, des drops négatifs en plus. Ah, camp de boss. C'était dégueulasse. Salut les dudes. Attendez un petit peu que j'y vais. Allez. Non. Les décors écodromes du coup, en bas à droite. Négatif. C'est juste les TP en ville. Chaque fois, c'est faut se dire que c'est des TP en ville sans portail du coup. Oui, j'avoue, si vous avez pas de portail et que vous voulez TP en ville et que vous en foutez de où vous... Enfin, que vous revenez pas strictement au même endroit et que vous en foutez de la phase où vous êtes, un déco reco en fait, ça ramène en ville. Ça marche bien.
Par contre, à la fin, quand vous êtes dans le hideout, pour le coup, la déco reco c'est beaucoup moins pratique parce que ça ramène vraiment en ville, pas dans le hideout. Le hideout n'est pas considéré comme une ville. Le hideout est considéré comme une instance séparée particulière. Ok, on a fait la première moitié du trajet vers le temple de machin truc là. L'innocence. J'avoue, c'est que la première moitié du trajet pour y aller, ça. Du trajet pour aller dans la zone où il est. Parce qu'après, il faut mapper la zone, je pense que. J'avoue. C'est vrai que tout ça pour ça, quoi. L'acte 5, c'est. Ouais, c'est des longueurs, hein. Salut! Oui, allez, go! C'est pas qu'on est marre, mais j'en ai marre. Aïe, ça fait mal, adjudicateur. Ça fait mal, votre truc. C'était ici. Le feu, les chambres d'innocence. Ah, pas mieux. Ah oui, c'est tellement grand qu'il y a encore des TP quoi. Ah, il en est où lui? Ah tiens, des trucs hors pop. C'est quoi ça? De l'armure, c'est de la merde. Fossile, ça c'est pas de la merde. Prophétie, ça je voudrais aller le faire, mais le problème c'est que... C'est chiant. En fait j'ai un problème avec celui-là parce que... En vrai, je pourrais faire ça. Le problème, c'est que c'est un 4 à 3 de durée, j'ai pas envie. Il faut pas le gâcher. Par contre, lui, je m'en fous. En fait, c'est ça le truc. Lui, je m'en fous. Il me faudra un autre comme ça. Eh, c'est triste. Bon, allez. Donc, tout l'argument, c'est serré à gauche. Boum. Allez. À un moment, vous passez un petit pont. Le petit pont, c'est la moitié. Ensuite, on arrive vraiment dans le cœur des chambres d'innocence. Et allez, des levels, bah oui. On n'avait pas assez de levels encore. Donc là, c'est tous les levels pour monter la force. On est déjà à 154 de force. Ça monte, ça monte. Ça monte. Les gemmes rouges, on n'aura pas de problème, allez hop. Ouais, salut. Donc on va le faire legit, on n'est pas allé chercher des gemmes ailleurs ou quoi. Donc on up en witch en mode legit. On s'est pas fait fournir des gemmes par d'autres gens. Notamment les gemmes qui sont pas accessibles à la witch ou ça tout ça. Donc on n'a pas d'immortal call, pas de cast of damage taken. On galère sur la J, enfin tout ça. On est volontairement sur du truc relativement normal. Parce que c'est plus fun comme ça quand même. Quand même, faut pas déconner. Eh salut. Bon après c'est aussi parce que je joue un build que je connais. Du coup je peux me permettre d'être confiant. Et j'avoue que cette ligue là, autant d'habitude le 36 j'en ai m'en fous un peu, je le fais plus ou moins par accident. Autant là pour le coup. Enfin non, quoique non, par accident non. J'avoue que le 24 tu le fais pas. Oh foiré. Le 24 est faisable par accident, le 36 quand même fou. On a déjà dit, on ne se dénigre pas. Alors. Du coup, on avait passé le point, hein, du coup, de... Le fameux point de moitié. Qu'on doit aller retrouver. Ah non, même pas. Non, même pas, d'ailleurs. Tiens donc, même pas. Il y est plus. Quoi? Attends, quoi? Hein? Ah si, c'est ça. Ah non, c'est pas ça. C'était si... Ah si, c'est celui-là, pardon. C'est le pont avec le bouquin en haut. Donc, pardon, c'était pas un pont, je comprends les autres. Le pont avec les bouquins, c'est la suite. Et du coup, là, on veut aller... Une zone Val. Non, on veut pas y aller. Clairement, ce sera non, monsieur. Je refuse. La zone Val, c'est non. Ah, y'a un putain de chat avec moi. Ah. Un chat? Y'a un chat, maintenant? Ouais, je vois Minecraft. Y'a des chats? Vous pouvez revoir donc ce que je dis, y'a tout.
J'ai rien dit. Je sais pas, oui, Minecraft, y'a tout. Y'a le monde. Ouh, les zombies, vous prenez des baffes. Hors de France, tiens, d'ici là, j'ai la flemme. Ah ouh. Il y a une recette ici. Même pas regarder ce que c'était. Le manque de respect est global. Par ici. Oh con. Faites écran les deux. Oh oui, go. Il se passe quoi si je veux affronter Innocence comme ça? J'aurai la possibilité de me rusher un lab dans pas très longtemps. Rusher? Oui, enfin rush, ça, c'est un lab niveau 33. Hein. Ah non, un lab normal, oui. Enfin, rusher c'est relatif, mais oui. Ouais, non, mais rush. Enfin, même OP. Ah, je veux bien te le trade contre un rush du lab d'après alors. Ouais, ça avait pas de soucis. Non, mais t'as déjà des persos, t'avais déjà monté des persos en map là, oui, on est d'accord. Oui. Je veux bien un rush de lab merciless de quand même. Non, quand même. Merci, ça va être plus compliqué. Ouais, mais du coup. Oui, mais zombie quoi, donc j'avance pas super vite. Oh, je m'en fous. Ouais, je suis un bulldozer quoi, c'est. Oh, oui, tant mieux. Bah, je t'avoue que le niveau 30, je l'avais déjà bulldozerisé au bon level. Non, non, il était absolument à droite. En plus, donc c'était un bon. Je suis niveau 23 dans une zone d'ailleurs. Oh merde, oh merde. Non, c'était le bon. Oh, c'était le bon. Oh, fais chier. J'ai de quoi aller faire le truc des prophéties du Nexus. Bon, ok, d'accord, on ira plus tard. En plus, c'est un 2. En plus, c'est un 2. Il est parfait. Il est beau. On ira plus tard. Bon, on touche plus à rien, ok, ça va. Ce jeu est sympathique des fois. Bon, après, en vrai, c'est des trucs pas importants, mais. Ok, on identifie cette saleté. 1, 2, 3, 4. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé avec la map ? Ah non, c'est bon, c'est ça, je suis à Innocence là. Ah oui, non, c'est Kavas qui a fait ouvrir une section. Oh putain, le portail. Oh, ça a fait du labyrinthe de l'infini. Ce que j'aime bien, c'est que quand vous sortez de la salle d'Innocence, il s'avère que la salle d'Innocence en vrai, elle est juste à l'entrée. Du coup, géographiquement parlant, ça va pas. La map va pas bien. Salut, tu peux cesser tes conneries. Et voilà. Alors, Innocence, combien de mandales? Oh non, il y a Avarius avant. Hey, Avarius! J'ai des potes. Ils ont des tout un tas de mandales à offrir. Ah, la phase 1 a été passée instant. Eh oui, bonjour. Il faudrait la phase 2 maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Zélezade. Ah, oh, t'es sérieux. Ah, il fait son Innocence, putain. Pénible, Bobby, pénible. Y'a même pas de cadavre, vous êtes sérieux? Wow! C'est pas possible ça! Faut arrêter! Aïe! Aïe! Y'a même pas de cadavre! D'accord. Il a même pas le temps de finir son spell. Ah! Salut Innocence! Sa biche! Il reste rien de l'autre, on est d'accord? Oui, il a même plus de corps. Oulala! Yo, wow. Ah, mais il est capé, il y a des phases. Oh putain, c'est chiant. Ah, c'est relou les phases comme ça. Innocence, mon dieu. La musique qui pète un plomb. Je mets 6 levels à la mabouchue. Allez. Non, on est déjà passé en. On est déjà repassé. C'est sérieux. Mais les zombales là, vous tapez trop. Le problème c'est qu'après ça, je vais avoir Roll Undead, ça va être pire. Vu que je fasse quoi moi? Ça va être encore pire, je vais en mettre une troisième. Ça va être débile. J'avoue, ça va être complètement con. Et c'est juste pour le leveling en plus, c'est pire après hein. Ça c'est rien. Quoique non, là ça va, là ça ressemble à de la vitesse de debuff standard. Oui non, là ça commence à faire des trous quand même, assez vilain. Il faut avouer, il y a des trous assez sales là. Innocence. Ah, Sin c'est René du cadavre d'Innocence. C'est ça le truc. I shall save. Toi et seulement toi, je sauverai. Hein? Oui, non mais je sais. Kitava s'est réveillé. Oui, je sais aussi. Je sais aussi ça, t'inquiète.
Oui, oui, y'a Bob. Salut, Bob. What the damnation of you done? Oui, 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 ta gueule. Pardon, je... Hein, quoi? Allô? Allô, 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 allô. Qui a dit ça? Y'a un monsieur jaune ici, on est d'accord? On est d'accord, y'a un mec qui balance des grenades, là. Ça se fait pas, ça, monsieur. Faut arrêter, hein. C'est pas poli. On va aller récupérer la quête en espérant que ce soit la quête que je pense. À laquelle je pense, pardon. Pas très français, tout ça. Bonjour. Donne-moi les deux légers munis, s'il te plaît. Ah, c'était ça. Donc là, il y en a une magnifique. 12% damage, dommage. Ça aurait été une 15, ça aurait été fabuleux. Allez, augmentons encore les dégâts des zombies. Parce que les zombies n'avaient pas assez de dégâts. Bonjour. Hein? You cannot choose this item, stat will be ignored. Mais pourquoi? Ah, limité à 2, je suis complètement con. Hein? Limité à 2. Ah non, j'ai rien dit pour la gemme. La gemme de zombie, c'est que si elle est roll 15 qu'elle m'intéresse. Ouais, je sais. Non, mais du coup, non, mais je spécifie. Non, avant c'était en mode je vais en mettre plein, mais en fait, non. J'avais zappé le c'est limité à 2. Ah. Ok. Ouais, donc j'ai une 15, une 12, donc si jamais t'as plus que 12, ça m'intéresse. Sinon, bah les couilles, frère. Frag d'alchimie, ouais, c'est bien. Je suis pas le genre. Alors. On range, on range. Ok, ok. Toujours pas de jawler, bah non. C'est pas drôle le jawler. Ok, go. La chambre d'innocence. Du coup, il faut retourner. Attends, c'était quoi déjà? Ouais. Retourner par là-bas. Donc on devra retaper tout le trajet en sens inverse pour retourner au square. Bon, je rappelle que ça a une bonne partie en tombant dans l'usine. Ah oui. Parti. Pas même. Ok, et bien évidemment, c'est pas la même map. Parce que sinon, c'est pas drôle. Allez les dudes. Il y a au moins niveau 34. Cassez des bouches les dudes. Donc attends, là je fais à combien de zombies? Je fais à 8 zombies. D'accord, je suis à 8. Ok, parfait, je suis à 8. Tout va très bien. En vrai, Brand Perfect, c'est génial. Je te crois, j'ai vu 2-3 trucs. Ça a l'air rigolo, effectivement. Enfin, ça a l'air surtout pas très prise de tête, quoi. C'est... Il y a vraiment, c'est plus... Tu crois, tu spams un spell et voilà. Tous tes soucis volent en fumée. Allez. Ah, ça s'ouvrait pas, par contre. C'est par là-bas, hein, oui. La musique oppressive de Kitava. Salut, des corbeaux. Bonjour. Kaboom, baby. Gazblower, parfait. Call of Wisdom, oui, pour le challenge, bonjour. Juste une fois au challenge. Non, 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 non. Vilain, sabré. Tu es vilain. Tu es vilain. Il faut s'arrêter maintenant. Oh non, non, bouge. La 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 la. En fait, en général, c'est mieux de pas croiser de coffre, enfin de strongbox. Parce que ça veut dire que la fixe, ça peut être un master et c'est mieux. Le strongbox, ça embouche et c'est pas fou. Tiens donc, Kavas. Bonjour. Vous ici, c'est fou. J'avoue, sa présence permanente va très vite me gonfler, je sais pas pourquoi. Toujours le même dude. Master's orders were clear. Mais dans quoi là? I am to wait here until his return. Je fais les cours. Oh, 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 non. T'es sérieux? J'ai raté. Mais non, mais je voulais pas. Le perso il a mongolisé. Il est pas allé où je voulais. Non. Ok. Protégez-moi les zombies. Vous êtes ma dernière ligne de défense. Enfin ma première et dernière ligne de défense. Vous êtes ma seule ligne de défense. Protégez-moi. La 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 la.
Cthulhu. Ah oui, mais non. Du coup, on est sur la bonne map, là? Ouais. Ok, là on est arrivé sur le square d'Oriat, le vrai, celui qui reste. Celui qu'on connaît. Et quoi derrière qui... Ah, rien. Ok, donc le petit zigzag, on arrive au TP, on arrive à l'ossuaire. Ensuite, il va falloir retourner chercher les quêtes. Ah, j'aimerais bien passer à level avant de tuer Gravicus, là. C'est pas Gravicus. Il est acte 3. Il me rattrape dramatiquement. Il est beaucoup moins en paix dans le, que moi. Clairement, cet homme n'est pas en paix. je dois concéder. 44. Parfait. 49. Ouais, non, si, c'est bon, c'est le level de la meuf. Ah, c'est pas en haut. On va dire en haut, allez, go. Faisons un jet de foi. On va espérer. Ouais, c'est bon. Non, ça fout. Se retenir, faut se retenir de looter, c'est abusé. Ah non, il était sur le côté. Damned, il était là, ce con. On va ouvrir tout ce qu'on peut. Il n'y a pas plus grand chose en fait. Hein. Pas ici. Pas ici. Bon bah par là alors. J'ai échoué. J'ai peut-être fait exprès. Bon. Après ça, voilà, c'est pas. C'est autre chose. On est encore sur un autre problème. Excusez-moi. Ces tonneaux maudits. C'est à la fin de l'heure. Go. Bonjour. Donc on va commencer par, on a dit, allez on vit. 1h12 et je suis à Solaris Temple. Quoi? Ah oui, non, d'accord. Oui, acte 3, pardon, désolé. T'as dit Solaris, c'est pour ça que t'es 8. Ah oui, d'accord. J'étais en mode quoi? Tu me rattrapais, dépasser, vous y en 1h, en mode fait. Ah c'est bon, j'ai la quatrième ascendance là. Là j'ai pas eu besoin de ça. C'est bon, j'ai mis les 9e et 10e points d'ascendance, tout va bien. Nickel, j'ai fait le 5ème lap. Quoi? Allo? Ah, c'est bon, j'attaque Shaper, Uber Elder. Parfait, il manquait effectivement une quête principale. Donc, Ulu Shuei. Uber Shaper. Oh. T'es à Solaris là? Lunaris, pardon. Ah, non, oui, ok, t'es à l'autre. Ah oui, Lunaris, en plus, oui, c'est encore plus avancé. Ah, oui, bah, t'es juste avant Imperial Garden, c'est juste avant le. Ah, c'est ça. Oui, oui. J'aimerais bien faire au moins. Faut que j'aille faire quoi? Oui, faut que je trouve le. Bah, juste avant le, puis t'as à dire. Hein? T'as à dire quoi? Juste avant non, le. Non, je calcule moi ce qu'il faut que j'avance là. Ah, parce que les trials, je les ai déjà. Hein. Oui, mais moi non, pour le mien. Ah, okay. Non, moi j'ai rien, par contre. Moi je dois tout attendre. Putain, je dois tout aller chercher à la main, moi. Si tu peux les faire ce soir, c'est parfait, parce que... Je suis pas là avant... avant mercredi soir, après. Oui, mais c'est quoi, 2, 6, 7 3, ouais. Ouais, parce que 8, 9, 10, c'est... Ouais, c'est ça, 6, 7. Je crois que c'est 6-7-7. Oui. Oui, non mais je veux pas, oui. Oui, ce que je voulais dire c'est que c'est étendu sur les axes 6 et 7. Ouais. C'est-à-dire que t'as 1h30 du coup. Ouais, je vois. 1h30. Oui, ça se fait ça. Peut-être que ça va être faisable. Oui. Oui. Chaud. Okay. Mon rythme est vraiment tendu. Ouais, voilà. Ah que je veux pas, hein, mais c'est que... Après je sais pas, là, quoi. Je raqueterai quelqu'un d'autre. Magato, Gompel, non pas encore. Ça se trouve elle monte les débuts et en fait elle est niveau 97. En fait elle est dans la course au top. Genre, elle a arrêté vous depuis 2 ans et tout n'était qu'un mensonge. En fait Thorin il disbande sur PoE.
C'est ça. Tant ils disbandent le clan de Sinnoh. Quoi? Non, allô? Hein? T'as plus aucun. Levier. Oui, allez. Ah, t'auras arrêté le développement de. De Warframe. Tu m'as. Pour se concentrer sur son BTS. Voilà. Oui. Cuisine. C'est vrai. Parce que. Tant qu'à rajouter des détails stupides. Ah. C'est vrai que ça fait bizarre la ligne de. Aïe 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 aïe. Aïe. Je regarde pas ce qu'il faut. Aïe. Fais bobo la tête. Donc là on va faire tout le tour du square, il va falloir. Comment ça hérétique, toi l'hérétique la connasse. Ils emploient le mot hérétique avec une facilité déconcertante. Tout en étant plein de sang et en buvant du sang, j'en sais. Oui. Bande d'Aztèques. Level. Parfait. Salut Bob. Je suis fou là toi. 39 de sulfite, c'est génial. Je vois de la sulfite, je trouve quand je clique dessus, 39. Ça fait bizarre. J'avoue, ça fait bizarre. Alors, à chaque ligue, je le dis, à chaque ligue, c'est bizarre. Ah oui. 39. Pareil, ça coco, de l'égard coco. Ah mon dieu. 39 de sulfite. C'est fantastique, dis donc. Putain, les actes. Je sais même pas pourquoi j'ai cliqué dessus, du coup, vous êtes abusé. Limite, je regrette d'avoir cliqué dessus. Tellement, je trouve ça pas voir si. C'est presque de la perte de temps d'avoir cliqué sur ce sulfite. C'est abusé. Pourtant non, c'est du sulfite, c'est juste que non, enfin c'est... Pfff. Ça n'a aucun sens. Enfin bon. Salut machin. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le Hydos. Oui, salut, tu l'as. C'était quoi, le maire de la ville? Un truc comme ça. It has only begun. Salut, il y a des... y a mes potes, ils ont envie de te mettre des baffes. Ah, et oui, c'est les baffes, hein. Ouais, dommage. C'était l'heure des baffes. Un petit gauche-droite. Je crois qu'il a pas aimé, hein. Je crains qu'il n'ait pas aimé, je crains qu'il n'ait pas aimé. Ça a fait. Ça a résonné un peu dans sa tête là. C'est... Par ici les zombies, c'est bien. Il y a d'autres droites à distribuer par ici. Sortez la boîte à droite. Tout de suite. Et hop. Des droites pour tout le monde, vous poussez pas, il y en aura assez. On en a prévu masse. Go. Si jamais ils meurent, on peut même rappeler leur poteau. Vous en faites pas, ils mettent les mêmes droites. Va très bien. Ok. Ah oh, putain, cul de sac. Alors, toi. Reliquary. Oui. Ok, donc on va juste récupérer. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Merci. Tac, on récupère juste le TP et on se casse. On fera les tourments de quitte avant, on fera la secondaire juste après. D'abord, il faudra. Ah, calculer pour. Oui, ouais. Récupérer les autres. Bonjour. Non, mon angoisse, c'est plus c'était quoi l'autre. Ah non, en fait, y'avait pas d'autre. C'est ça, c'est acte 10. C'est moi qui me gourre. Ah, c'était le retour au départ et c'est l'acte 10 en fait. Ah, je vais commencer à die là. Ok. Par contre, du coup, Voltaxic Sulfite 1 sur 3. Est-ce que je m'en fous? Je m'en fous. C'est bon, la concertation a été brève mais intense. Je m'en fous. Finalement, on va aller faire les trucs de Kitava, ça avait l'air bien. Salut. Oui, alors. Bonjour. Bonjour. On doit trouver les trois tourments de Kitava s'ils appellent. Ah. C'est les récits sur la pêche, non? C'est les récits sur le banquet des dieux, ça. Je trouve génial. Kitava, le dieu de la fin. Enfin, le dieu de la... Ouais, si, c'est ça, de la fin. Ya, ouais, oh, ça progresse au début. Gros CC. Attends qu'on soit tout petit. What the fuck? Sérieux? D'accord. Terre salée, parfait. Cool. Terre salée. C'est même pas terre aride, c'est terre salée. Aride Lake, c'est devenu terre salée, vraiment? Bon, d'accord. Ok, ok. Le bleu. On a le même âge, hein. Les loot. Oui, oh. Oui. Oui, quand même. Alors, je demande pas une exalt, on est en phase de Pex, mais quand même. Genre. Dead Eye. Non, de là à avoir rien à ce point. Dramatique. Dramatique concept. Allez, 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 on se dépêche. Oui, plus vite. Les Strongbox, c'est fantastique. Non mais... Elle m'arrive de faire un peu d'XP. Allez.
Un Valor, hein. J'ai rien dit. Hors suite. Non, zone Val, on s'en fout. De pute. Plaît-il? Quoi donc? Ah ouais. Qu'a-t-il dit, le monsieur? Allô? On a rendez-vous. Dire bouffonne, c'est mon insulte préférée. Il y a 3 heures, elle a dit fils de pute, c'est mon insulte préférée. Ah oui, mais. Elle est très volatile. To replace the face of bird. C'est Je. Bien écoute, dans 3 heures ce sera autre chose, qu'est-ce que. Oui, oui. Alors. Bonjour. Là, je devrais avoir le double pour le triple de vie à ce niveau-là. T'as combien? Pas 500 HP. Putain! Le triple? Le Percepteur de God. Oui, oui. Ah ouais? Le triple, c'est un peu chaud en vrai. Mais moi j'ai 1400 PV, je suis bientôt 50. Quoi. Ah, bah voilà, je viens de me faire tuer pour la première fois. Oui. Passe avec tes 3. D'accord. Et quel level en fait? Level 28. Ah, mais non, mais il a pas encore le level pour rentrer, c'est ça? C'est quoi, c'est level 30 pour rentrer dans le premier lab? Ah, oh, je sais jamais. Ah, oh, les PL de lab, je sais jamais. Chaque fois, de toute façon. Je m'en fous, je le fais moi. Oh, dame Ned. Les PL de lave, je sais jamais, je sais jamais, je sais jamais. Parce que du coup, une fois que vous avez fait les conditions du labyrinthe une première fois avec un perso, toutes les conditions de labyrinthe, donc tous les trials sont déjà tous débloqués au compte. On n'a pas besoin de les rechercher, il y a juste une condition de level d'entrée. Troisième mort? Non, non. Oh. Oui. Il y avait une recette ici. D'accord. Pourquoi pas. Salut. Inekona. Ah ouais, non, si, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est bien la partie de pêche des dieux, du coup, le bordel. Mais c'est tout, du coup? C'est fini? Ça a l'air, non? C'est que ça? J'arrive pas à savoir. Oui, j'ai fini. En fait, oui. J'avais terminé, en fait, hein. Oui, oui. Rentrez à maison. Pardon, je me suis perdu. Je me suis perdu, je me suis perdu. Eh, salut. Donc, bonjour. Oui, ça, c'est bien. Donne-moi des points. Ensuite, c'était où? Bannon. Là. Tu me donnes quoi? T'as plusieurs armes dans le marque Assassin's Heist. Bon, allez, à la limite. J'avoue qu'à ce stade-là, de toute façon, j'ai des slots de gemmes et j'en fais rien. Donc, pourquoi pas? Ça sert à rien, mais pourquoi pas? J'avoue, bah tiens, un autre slot de gemmes, c'est fabuleux. J'avoue, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Et du coup, mon problème, c'est que là, mon setup est à 8 zombies, je passe à 10, 12, 14. Je peux passer à 14, donc 7 gros. Mais que sous condition d'avoir 1200 de force. Ah oui. Ah merde, ça va, le lapin il bouge. Ok, que 1200. Parce que 1000 de force active baron, donc ça, ça augmente la survie perso. Bon, ça pour les zombies ça change pas grand chose. Pour le DPS ça change rien du coup, ça change par contre énormément pour la survie. Bah, Baron Proc fait que les zombies ils peuvent ignorer, enfin, font que le réflexe physique c'est jouable. Ça, c'est un truc que je trouve tellement débile. Les zombies tapent en physique. Le réflexe physique fait que les zombies se suicident sur les monstres en tellement ils mettent des coups forts. Genre, ils finissent par se tuer même avec Montregoul, ils se tuent. Mais le combo Montregoul, du coup, avec. Avec le reste et avec les. Avec Baron Proc permet d'ignorer quasi. Totalement. On est obligé de réinvoquer les zombies un peu, on est obligé de les heal, on est obligé de les gérer plus prudemment. Enfin, comme là en fait, un peu plus normal. Ils sont pas invulnérables. Mais c'est vraiment pas si compliqué quoi. Bon, en avant.
Eh hey, salut! Kitava! Kitava! Je viens te chercher! T'as jamais joué? You! Kitava! Je suis très aimable! Bonjour toi! 0 sur 2, oui, si tu veux. Donc là, en l'occurrence, je m'en fous un peu et je vais tout droit. Ah, c'était là. Parce que du coup, mon seul. Ah, la zone heureuse, je me disais bien, je l'avais pas. Ok, donc là, on ramasse plus les trucs de toute façon. Ce qu'on valide, c'est justement les 45 machins là. Mémorise 3. C'est bon, y'a plus d'ennemis. Y'a plus d'ennemis. Go, collapse. Fou. J'ai fait bouffer. C'est dramatique. C'est bon. C'est là, bon. On identifie le machin fracturé. C'est un two stone rig correct ça. 20 dext. Ah, c'est bien, mais le problème c'est que quand je vais vouloir le changer celui-là. Ouais, non, c'est pas bon. Parce que celui-là, je vais m'habituer. Après, je vais devoir le changer. Ça va me mettre les couilles. Je préfère pas du tout équiper mes trucs et ne pas m'habituer tout de suite parce que je déteste perdre les requis de stats de mes items. Ça me gonfle. Je sais pas, c'est moral, ça me gonfle. Parlez bien là. Ah. Bon, je te connais. Hein? Non, rien, j'ai dit parler bien là. Après, j'ai dit bon, je connais, je me suis porté. Tu t'es emballé, je... les problèmes. Oh oui, oui, c'est. Oui, ça a picoté ça. Oui, oui, oui. Oui, bah oui. Oh con, ça pique. Ouh, ça a picoté ça aussi. Non, c'est pas un passage. Vous êtes sérieux? Comment ça? Ça peut ça? Ah merde! C'est pas un passage! Plaît-il, c'est pas un passage! Je vous en foutrais, moi! Ça non plus! Qu'est-ce que ça? Ils ont fait des nouvelles variations dans les maps de d'actes à la con! Enfin, à la con! Bah, dans les maps d'actes, quoi! Tiens donc! C'est quoi l'intérêt? C'est ma bac, le but c'est aller tout droit, monsieur! On s'en fout de la nouveauté! Ah non, oui, donc du coup, ça veut dire que les maps ont étalé celles qui ont évolué un peu! Ça c'est cool aussi, mais... Ils ont fait des nouvelles variations pour des anciens tiles, ok, pourquoi pas. On pond des zombies. J'ai l'impression de pondre des zombies quand j'avance. Allez, 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 ça va pas assez vite, allez, go. Cassez des bouches plus vite, vous. Parfait, go. Allez, en avant. Qui t'ava ? Dispo dans un Kitava. Yes. Oh mon dieu, une statue d'innocence dégueulasse. Je suis tout sanglant. Ah ouh. Kitava l'insatiable. Aïe. Mon dieu. Le bâton d'innocence. Il est très énervé. Il est en colère. Il est en colère. Ouais, ouais. Il a poussé des trucs sur Kitava. Sur. Pardon. La statue d'innocence. Ah, et recoup de truc. Alors, c'est là. Oh mon dieu, les PV. Une heure 28, que le cœur meurt. Oh les dégâts. Oh les zombies. Oh mon dieu. Ok, c'est pas censé se passer comme ça ce level. Je crois. Salut les dudes. Ah putain. Ah non, c'est ça, d'accord, ok. C'est ça qui m'a tué. En avant, les gars. Eh bien, récupère donc ton cœur, Bobby. Hey. Yeah, non. Oh oui. Meurs. Oh. On évite les aveux. Voilà. Maintenant, crève. Enfoiré. Ça a sonné très mal, ça. Meurs, miséroïde. Ouh, Kitava. Ouh, Kitava en colère. Très en colère, Kitava. Aïe, ah, oui. Ah! J'ai décédé.
Donc là on meurt en fait. Hein. S'il nous sauve, mais on est mort. Ok. Eh hey, salut. C'est la merde. Wesh, les gars. C'est caca votre truc. On a eu 2-3 petits soucis là. Je vous cache pas qu'on a eu des problèmes. Aïe. Ah si Ouais. Du coup, je veux bien un Immortal Call Custom Damage Taken. Yes. 1-1. Là, avant le lab ou après? Oh m'en fous. Pareil. Non, c'est pour ça, hein, ça. Ah, avant le lab ou après? M'en fous, je peux pas l'équiper tout de suite. D'accord, ok. Bah je te le file après. C'est en prévision. Ok. Ok. Je suis opérationnel. Yes. Dès que je meurs ou dès que j'ai le Death Red Spirit, go. Ok. Du coup, Alberon War Pass. Ah ouais, mais non, parce que j'ai pas les sockets. Oh, chier. Le problème, c'est que j'ai rien. J'aimerais bien l'avoir avant de mourir. J'ai pas mal de trucs à côté, mais j'ai rien. J'ai même pas regardé quel level ils sont, mes trucs. 14. Ok. Bonjour. Du coup, je vais faire quoi? Ça c'est bon. Nanana. Donc on arrive sur la partie 2 des actes. Bon, oui, d'ailleurs, en fait, sur ce, c'est la fin de l'acte 5. Voilà. La VOD YouTube se terminera là. Portez-vous bien. 530 HP. Ah, plein de bonnes choses. Et à la prochaine pour d'autres mandales. Ça, c'est un sniper build.